commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous, c'est comme promis, je reviens avec des petites nouveautés sur le Google Home et avec des nouvelles applications, comme cette nouvelle application du nom de Couleur 3, une application radio-télévisée suisse. D'ailleurs, bonjour à tous les Suisses qui verront cette vidéo. J'espère que vous allez bien et on va tout de suite écouter ce que Couleur 3 peut nous apporter en termes de nouveautés dans notre Google Home. Elle vient tout juste de sortir aujourd'hui, je viens de la voir. Donc, que peut faire donc Couleur 3 ? Découvrir les dernières nouveautés de la chaîne radio Couleur 3. Accéder au Sokiki, au repérage, à l'humour et à différentes fonctions exclusives. Couleur 3, radio-télévision suisse. C'est ce que l'on va faire tout de suite. Parler avec Couleur 3. Très bien, je vous mets en relation avec Couleur 3. Mais dis donc, on devient inséparables. Tu peux choisir entre les repérages ou le flash info. Sinon, demande les autres rubriques. Flash info. Voici le dernier flash info. RTS Info, Katia Beach. Les Verts disent non à la loi sur les jeux d'argent. Réunis pour l'Assemblée des délégués, les Verts ont donné leurs recommandations en vue des votations du... Ça te dirait d'écouter les repérages ou nos chroniques musicales ? Les repérages. La lecture automatique des trois premiers repérages va commencer. Le premier, c'est Tangafile. Ok Google, stop. Voilà donc Couleur 3, une application Google Home, la radio donc télévisée suisse. N'hésitez surtout pas à la tester et à me dire ce que vous en pensez. On va tout de suite passer à la deuxième application. Et pour cette deuxième application, on va parler un peu chauffage domotique et on va parler de Sonfy et son thermostat de chez Sonfy qui peut être réglé grâce à votre Google Home. Ici, cette application, il faut donc avoir un thermostat Sonfy. Je n'en ai pas, mais on va écouter ce que cette application peut nous faire. Découvrez le confort sur mesure avec Google Assistant et le thermostat connecté Sonfy. Thermostat connecté Sonfy. Avec le thermostat Sonfy, vous allez pouvoir régler l'intégralité de votre maison à la voix grâce à votre Google Home. Il faut donc posséder un de ces thermostats. On va passer à la troisième. Aujourd'hui, je vous présente une multitude d'applications. Vous me direz ce que vous en pensez. Certaines vont être vraiment utiles et d'autres moins. Donc, j'ai décidé de faire une petite compilation regroupée pour éviter de faire plusieurs vidéos. Pour cette troisième application, on va parler avec l'application Cours Crypto. Cours Crypto va permettre de savoir. Cours Crypto vous fournit les derniers cours de vos crypto-monnaies favorites. Un grand nombre de crypto-monnaies sont disponibles et leurs cours en dollars sont actualisés toutes les 10 minutes environ. Cours Crypto, Karak. On va tout de suite donc demander à notre Google Home qu'est-ce qu'il peut nous raconter sur Cours Crypto. Parler avec Cours Crypto. Très bien, je vous mets en relation avec Cours Crypto. De quelle crypto-monnaie souhaitez-vous connaître le cours ? Du dollar. Indice dollar vaut 0,010012 dollars. Parlez avec Cours Crypto. Très bien, je vous mets en relation avec Cours Crypto. De quelle crypto-monnaie souhaitez-vous connaître le cours ? L'euro. Désolé, Cours Crypto ne connaît pas cette crypto-monnaie. Alors, comme vous avez pu entendre, aujourd'hui, l'euro n'est pas reconnu comme une crypto-monnaie. Il va donc falloir attendre pour lui demander quel est son cours. On va passer à la quatrième application. Alors, une toute nouvelle application qui vient de faire aussi son apparition est l'application Eleclerc qui, si vous avez un compte chez Leclerc, si vous faites des courses en ligne chez Leclerc, vous allez pouvoir ajouter des choses dans votre caddie. On va écouter ce que ça nous raconte. Leclerc, l'assistant vocal mémo course. Leclerc est un service qui permet d'alimenter son mémo course par la voix. Désormais, il suffit de s'adresser directement à Leclerc pour ajouter les produits qui manquent à son mémo course et les retrouver sur son compte Leclerc Drive ou Leclerc chez moi. Terminez vos courses en ligne ou en magasin grâce à l'application mobile HEYGO. 1. Dire OK Google, parler à Leclerc. 2. Se connecter avec ses identifiants Leclerc Drive ou Leclerc chez moi. Créer un compte Leclerc Drive sinon existant. 3. Voilà, donc il faut vous créer votre compte Leclerc et ensuite vous allez pouvoir continuer vos courses grâce à Google Home en lui demandant de rajouter vos courses dans le panier. On va pouvoir donc demander à notre Google Home de parler avec Offre Kokak. Cette application permet d'avoir des différences de prix et il me semble que c'est une application
qui, là aussi, travaille donc avec la Suisse. Donc, on va tout de suite demander à notre Google Home, parler avec Offre Coca. Ok, je vous mets en contact avec Offre Coca. Bonjour, pour connaître l'une des offres Coca, demandez-moi simplement quelle est l'offre du jour sur Coca Q-Wine, Q-Beer, Q-Sport, Cooking ou Q-Kids. Comment puis-je vous aider ? Offre du jour, Coca Sport. Produit du jour sur Coca, la belle LED, à partir de 1 franc suisse, 599, au lieu de 2 francs suisse, 817, Panasonic 65EXW 784. Je peux faire autre chose pour vous ? Non, merci. D'accord, à la prochaine. Voilà donc une application qui peut servir éventuellement pour les personnes habitant la Suisse. Ça peut être vraiment sympa. Voilà donc pour toutes ces nouvelles petites applications. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.